Bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de quoi? On va parler de Polar Peak. Puisque, est-ce que vous allez être étonné si je vous dis qu'il se passe un truc de ouf à Polar Peak? Eh bien peut-être non, peut-être que oui. Mais moi j'ai été étonné malgré que j'ai su en avance que quelques détails étaient en train de se préparer sur Polar Peak. Eh bien la glace commence à fondre et à se craquer complètement. Alors suite à cette dernière mise à jour version 9.10 de Fortnite, la glace présente à Polar Peak a commencé à fondre. Alors depuis maintenant quelques saisons, le sud-ouest de cette carte de Battle Royale ici donc était habité par le biome qui était totalement recouvert de neige et la fameuse montagne de Polar Peak et son château qui dominait tout ça. Alors cependant, il semblerait que maintenant les gars, depuis la dernière mise à jour, la glace ait commencé à fondre et que et comme certains l'indique sur Twitter, Reddit, eh bien, ça va s'effondrer sur ce qu'on connaissait avant comme Greasy Groove. Alors, un truc le plus ouf, c'est que regardez, on a l'impression que ça respire. Vous voyez les petites fumées qui dégagent de temps en temps, là? Eh bien, les gars, vous l'entendez quand vous vous rapprochez, c'est ce que je vais essayer de faire, je vais me rapprocher, je vais attendre avec vous. Vous l'entendez souffler un peu et grogner, si je puis dire, cette glace. Et ça nous fait comme pour le volcan, il y a des tremblements. Je vais rester ici. Et on va observer ça ensemble. Et pendant que j'attends que ça tremble, je vais continuer ma petite conversation. Alors comme vous pouvez le voir, il y a moins en moins de glace là, les gars. Donc ici, et c'est totalement fissuré. Et selon certaines personnes, bah voilà, ça vient de trembler. Voilà ce que je voulais dire. Ça devrait s'effondrer prochainement. Alors, si ça s'effondre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça pourrait signifier la fin de toute la neige, puisque c'est quand même grâce à ce gros bloc de neige qui fait aussi froid aux alentours. Et étant donné qu'elle est très très proche de Greasy Groove, eh bien peut-être le retour de Greasy Groove vu qu'il n'y a plus rien pour congeler cette partie-là de la map. Ou alors une inondation totale de cette partie-là de la carte. Alors en tout cas, beaucoup de personnes espèrent comme moi le retour de Greasy Groove et cet effondrement-là de Polar Peak. Je bégaye parce que ça vient encore de trembler. Mais quoi qu'il en soit, les développeurs de Epic Games, vous le savez, hein, ils ont toujours des choses derrière la tête, des choses précises qui veulent pas forcément toujours nous dire et qui vont faire évoluer l'histoire de Fortnite. Et en tout cas, j'espère que dans le futur très très proche, je vais pouvoir vous apporter des réponses. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer les gars. Cette glace de Polar Peak est de plus en plus en train de se casser la tête. J'espère que cette vidéo vous a informé, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un max de commentaires en me disant ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour la suite, et de mettre un max de pouces en l'air. J'interagis avec vous sur tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. N'oubliez pas le petit abonnement, c'est toujours très important, on est bientôt 13 000. Le code créateur Telmo-Lopez dans la boutique. Franchement, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.